solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere, este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Bonjour Damien. Bonjour. Et Gaëlle, il n'est pas venu avec toi ? Non, je suis seule. Et ? Que puis-je faire pour toi ? Je veux qu'on parle. Il s'agit de mes terres. J'ai appris que les travaux avaient repris et j'aimerais en connaître la raison. Parce qu'il y a un contrat signé. Mais j'en ai parlé avec ta mère et nous avons décidé que mon contrat avec l'entreprise Arengo était annulé. J'ai également parlé avec elle. Nous avons décidé que le contrat allait être appliqué au pied de la lettre. Je ne veux pas du tout avoir affaire à ton entreprise. Que tu le veuilles ou non, tu dois exécuter ta part du contrat parce que cette entreprise a déjà investi de l'argent dans tes terres et nous n'allons pas le perdre. Très bien. Je respecterai mes engagements. Je ne comprends pas pourquoi tu te montres si digne. Toi, plus que quiconque, tu peux tirer bénéfice du fait que cette terre commence à produire. Surtout maintenant que tu as besoin de commencer à créer ton patrimoine. Et moi, je ne comprends pas ce que ce sermon vient faire là. Alors qu'au final, c'est vous qui finirez par tout vous approprier. Parce que non seulement vous allez conserver mes terres, mais aussi tout ce qu'on arrivera à produire dessus. Elisa, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que je le sais. Point final. On peut savoir ce que tu fais ici? Je suis venue parler avec Damien. Et à quel sujet? Ne t'inquiète pas, Florencia. Je suis juste venue traiter d'une affaire concernant le travail. Non, non, à vrai dire, je ne suis pas inquiète. Je sais très bien que Damien ne reviendra jamais avec toi. Et tu sais pourquoi? Parce qu'à présent, il sait le genre de femme que tu es. Et maintenant, il comprend que sa place est avec une femme comme moi. Et non avec la fille de la femme qui a tué son père. Ça, c'est pour que tu me parles plus jamais comme ça. Et ça, c'est pour que tu apprennes à ne pas dire de mal de ma mère. Tu n'es qu'une pauvre idiote. Ah, eh bien, tu en fais réveiller. Mon Dieu, tu as dormi comme un loir, n'est-ce pas? À moins que tu ne sois resté cloué au lit. Oui, j'étais sur le point de venir dans ta chambre pour te réveiller. C'est un peu tard pour aller travailler, mon vieux. Je sais, ne vous inquiétez pas, j'ai veillé un petit peu tard. Ah, je te le fais pas dire. Tu sais, je suis un peu comme un chat aux aguets. Tu ne peux rien me cacher. Je me suis rendu compte que tu es sorti hier soir et que tu as tardé. À quelle heure tu es rentré? Mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas, moi, je ne sais plus. Et où tu étais? Ok, mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Où tu étais? Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que tu as quelque chose à me raconter. Non, non. Et tu ne veux rien me dire? Non, j'ai rien à vous dire, figurez-vous que non. Et à présent, je vais travailler parce que je vais vraiment être en retard. Hé! Quoi? Comment ça, quoi? Tu ne vas pas prendre ton petit déjeuner? Non, je n'ai plus d'appétit. Bonjour, docteur. Comment ça va? Bien, bonjour, bonjour. Bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier parce que tu es partie sans me prévenir? Ah, en fait, j'ai dû aller régler une affaire urgente. C'est pour ça que je suis partie un peu rapidement, mais tout va bien. Ah, une affaire et tout va bien. Oui, oui, d'accord, je peux parfaitement le comprendre, mais Paloma. Oui? Tu aurais dû me prévenir avant. Je trouve que ce que tu as fait est totalement irresponsable, tu m'entends?
Ah, docteur, écoutez, je vous le promets. Cette fois-ci, je vous jure que ça ne se reproduira plus. Et si au lieu de jurer et de me faire toutes ces belles promesses, tu te mettais à les tenir? D'accord. Hein? Oui, très bien. Bien. Et avec tout ça, Paloma, tu as pu régler ton problème? Oui. Oui, oui, oui. Figurez-vous que j'ai parlé avec Gaël. Attends, tu me raconteras ça plus tard. Je dois aller voir un patient de toute urgence et rends-moi un service, annule mes rendez-vous, parce que je ne pense pas rentrer. Et regarde ce désordre, s'il te plaît, range ces dossiers, parce qu'hier, pendant que tu n'étais pas là, je me suis rendu compte que ce bureau était un vrai désastre. Oui. Je te parle de ce qu'il y a là. Concernant les archives, c'est encore pire. Bref, je m'en vais. Ça me fait plaisir que tu ailles bien. Docteur, allez, au revoir. Partez tranquille, parce que je vais tout... Range-moi tout ça, s'il te plaît, range-moi tout ça. Je mettrai tout en ordre. Où est ton patron? Va tout de suite lui dire que je veux lui parler. Monsieur Augusto est occupé, je ne crois pas qu'il puisse vous recevoir. Je refuse qu'il soit occupé. Va lui dire que je veux lui parler et tout de suite. Non, vous ne pouvez pas entrer dans cette maison. Et encore moins dans cet état, monsieur. Non, vous ne pouvez pas entrer. Lâche-moi. Ne me poussez pas. Qu'est-ce qui se passe, Dolores? Mais c'est pas possible. Dolores! Eh bien, c'est cet homme, monsieur. C'est à vous que je veux parler. Je n'ai rien à te dire à toi. Va-t'en de chez moi. Si tu ne veux pas que je te fiche dehors moi-même. Non, je partirai pas d'ici. Avant d'avoir parlé avec vous au sujet de votre épouse. Ça ne m'intéresse pas d'entendre ça. Quoi? Bonjour, madame Carmina Bouvier. Pourquoi ne dirions-nous pas à votre mari ce qu'il y a entre nous? Quoi? Quoi? Tu es fou ou quoi? Qu'est-ce que... Fou? Pourquoi tu ne le dis pas? Allez, raconte-lui. Combien de fois est-ce qu'on s'est vu seul? Et qu'on s'est retrouvés ensemble pour faire l'amour. Hein? Quoi? Mais... Madame Alfonsina? Madame Alfonsina? Qu'est-ce qui se passe, Antonia? Excusez-moi de vous déranger, mais... J'ai appris par mon mari que Gabino Mendoza a été renvoyé de l'entreprise. Non, on t'a mal informé, Antonia. Gabino va continuer de travailler dans mon entreprise tant que ça me conviendra. Ne t'inquiète pas. Le cas de Vicente est résolu à présent. Désormais, il travaillera directement sous les ordres de mon fils. Ah, merci énormément. Vous ne savez pas à quel point je vous suis reconnaissante. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Florencia? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, ne me dis pas que tu t'es à nouveau disputée avec Damien. Non, je suis tombée sur Elisa à l'entreprise et elle m'a frappée. Cette maudite sauvage m'a frappée. Allez, raconte-lui. Ça suffit maintenant, Paolo. Ça suffit maintenant. Arrête de dire des bêtises. Ce sont pas des bêtises, Guido. Madame Carmina et moi... Je t'ai dit, ça suffit. Tu es ivre et tu n'as aucun droit de venir déranger cette famille. Alors sors et attends-moi dehors. Obéis-moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Excusez-moi, monsieur Castaglione, mais j'ai appris que mon frère était venu importuner votre famille et... Et je suis sincèrement désolé des problèmes qu'il a pu vous occasionner. Je vous remercie d'être venu me dire ça, Guido. Mais dites à votre frère que la prochaine fois que je le vois ici, dans ma maison, je ne répondrai de rien. Je vous comprends, monsieur. Excusez-moi. Tu as vu, mon amour? Tu viens enfin de te rendre compte que tout ce que dit cet imbécile est un mensonge. Ne t'inquiète pas. Je n'ai aucune envie de clarifier cette affaire. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Fais attention. Alors, ma mère veut que tu deviennes mon assistant personnel. Oui, c'est ça. Elle m'a demandé de me présenter à vous, alors me voilà. Je suis vraiment désolé, Vicente, mais je n'ai pas besoin d'un assistant. C'est une faveur que mes parents ont demandé à Madame Alfonsina. Parce que, à vrai dire, je préférerais travailler avec Gabino Mendoza. Eh bien, dans ce cas, je vais parler avec Brolio pour voir où nous pouvons te caser au sein de l'entreprise. Je vous ai déjà dit que, sous les ordres de votre mère, je vais devoir travailler avec vous. Les ordres que ma mère a pu donner, je m'en contrefiche. C'est moi seul qui prends les décisions dans cette usine. Bon, bah, si vous le dites... Au lieu de travailler, tu ne crois pas que tu devrais étudier? Ça fait longtemps qu'on m'a viré de l'école. Alors mes parents m'ont obligé à travailler. Très bien. J'accepte que tu travailles pour moi, mais... à condition que tu étudies tous les soirs. Non, 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 c'est pas ce qui a été convenu avec votre mère. Je suis certain que si j'en parle à tes parents, ils seront d'accord. Alors maintenant, écoute.
Si tu veux travailler dans cette entreprise, tu vas devoir poursuivre tes études en parallèle. Mais je serai votre assistant, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit que je n'ai pas besoin d'assistant, mais... Tu peux être le coursier du bureau. Le coursier du bureau? Mais c'est vraiment pas juste! Et... Ce sera tout, Vicente. Tu peux disposer, s'il te plaît. Je ne vois pas pourquoi je devrais supporter les sales manières d'Elisa. Est-ce que tu es bien sûr que tu ne l'as pas offensée? La seule chose que je lui ai dite, c'est que Damien et moi, on était ensemble. Et ça l'a mise tellement en colère qu'elle m'a frappée. Il faut que Damien soit au courant de ça. Non, il en est hors de question, Florentia. Pourquoi pas? Parce qu'alors, nous reviendrions au point de départ. Damien prendra certainement la défense d'Elisa. Non, je refuse de revivre encore et encore les mêmes problèmes. Bon, et alors quoi? On va la laisser comme ça, tranquillement, après ce qu'elle vient de me faire. Bien oui. Tu vas devoir le supporter seule. Et ne jamais en parler. Ne commence pas à remettre en relation Elisa avec mon fils. Je crois que tu as raison. Écoute-moi bien, Florentia. Ne complique pas les choses. Parce que celle qui en sortira perdante, ce sera toi. C'est scandaleux ce que tu viens de faire. Mais c'est la dernière fois que je supporte de ta part des bêtises comme celle-là. Parce que dès aujourd'hui, tu rentres à Mexico avec moi. Allez, s'il te plaît, ça va. Cesse de me parler comme si j'étais ton fils. Arrête de me donner des ordres. Qu'est-ce que tu cherches, Paolo, hein? Où veux-tu en venir avec ce mensonge? Laisse cette femme tranquille à présent, bon sang! Non, mais tu penses vraiment que ce que je te dis sur Carmina est faux? Tu penses vraiment que j'aurais été assez stupide pour aller voir son mari si toute cette histoire était un mensonge? Eh bien, si c'est le cas, Paolo, il est évident que pour cette femme, tu ne comptes pas. Tu comprends rien. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Pourquoi as-tu claqué la porte? Ce n'est qu'une idiote! Je savais bien qu'elle allait profiter de la situation! D'accord, mais si tu ne me dis pas de qui on parle, je ne risque pas de comprendre. De Florentia, de qui d'autre? Je viens de tomber sur elle et tu sais ce qu'elle m'a dit? Quoi? Que Damien s'est remis avec elle. Je le savais déjà. Horacio me l'a dit. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit, Lolita? Eh bien parce que je l'ai juste appris hier soir, mon enfant. Et à vrai dire, je ne voulais pas te démoraliser. Mais voyons, dis-moi, qu'est-ce qui te surprend? Il est évident que Damien voulait t'oublier dans... Je ne sais pas, dans les bras d'une autre femme. Non, ceci ne justifie pas cela. Parce que si vraiment il m'aimait, il ne serait pas allé se consoler dans les bras de Florentia. Ou tout du moins, il aurait pu attendre un peu. Non? Comme je te l'ai dit l'autre jour, Elisa, le problème va en empirant. Et le jour où tu voudras le régler, tu ne pourras plus. Stop, je ne veux pas t'écouter, arrête. Vraiment, il y a tellement de problèmes ici, entre ceux de tes parents et ceux de ta tante, que cette maison finit par ressembler à un asile de fous. Non. En fait, dès qu'un problème est réglé, un autre arrive. Pourquoi tu dis ça? Que se passe-t-il encore? Oh, si tu savais. Tu ne t'imagines pas le scandale qu'est venu faire Paolo ici chez toi avec son frère. Nous devons les cultiver plus vite, les gars. Elles sont en train de flétrir, d'accord? Bonjour. Et traitez-les contre les mouches blanches. Excusez-moi, est-ce que vous savez où je peux trouver Monsieur Augusto? Gaël pourra vous le dire. Ah. Merci, Miguel. De rien. Comment vas-tu? Ça va. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Pourquoi tu demandes où est Monsieur Augusto? Ah, parce que... Je suis passée chez Elisa, je lui ai dit que j'allais venir ici pour t'inviter à manger, et elle m'a demandé de laisser un message à son père. C'est tout. Ah, c'est tout. D'accord, de toute façon, elle n'est pas dans le coin. Comment va Elisa? Gaëlle, à vrai dire, elle va très mal à cause de tout ce qui se passe avec Damien et avec toi. Ouais, je m'en doute bien. Mais je t'ai déjà dit que je ne continuerai plus à jouer le jeu. C'est déjà une chose que je sois prêt à faire n'importe quoi pour elle et que je l'aime comme un fou. Mais c'en est une autre que je me laisse manipuler. Gaëlle, enfin, tu dois accepter qu'Elisa ne t'aimera jamais comme tu le souhaites. Et qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Je fais tout mon possible pour l'effacer de mon cœur. Et comment? Que vas-tu faire?
Je ne sais pas, peut-être accepter l'amour que m'offre Paloma. Me donner une chance avec elle. Non, Gaël. Le fait de remplacer une personne par une autre, ça ne fonctionne pas. Et encore moins quand on est à ce point amoureux. Ouais, attends, ma jolie, attends. Je veux dire, tout d'un coup, c'est celle qui a l'expérience qui parle. Dis-moi, toi aussi, tu es amoureuse, tu essaies d'oublier quelqu'un, quoi. Moi ? Non. Dis-moi qui c'est. Non, dis-moi j'ai qui personne. C'est bon. Dis-moi qui c'est. Dis-moi, il y a personne. Ah, Gaël. Là, tu vois, je peux lire dans tes yeux que tu me. Non, tu sais ce que j'adore. Que hein ? Quoi ? Que tu me traites avec cette jalousie de grand frère. Tu vas voir. Tu vas voir. Hein ? Bonjour, Madame Stefania. J'espère que vous reposez en paix. Monsieur, si vous cherchez la tombe de votre épouse, je peux vous la montrer. Elle est là-bas. Vraiment ? Madame Stefania doit être en train de sourire là-haut dans le ciel en voyant que vous êtes ici. Parce que c'est la première fois que vous venez, bien qu'elle soit morte depuis de nombreuses années. Je me trompe ? Non, vous ne vous trompez pas. Je viens chaque fois que je peux pour parler avec elle. Je ne savais pas qu'en plus d'être guérisseuse, vous communiquiez aussi avec les défunts. Vous vous moquez. D'accord, mais j'imagine que le besoin de discuter avec elle est ce qui vous a amené jusqu'ici. Franchement, je ne sais même pas pourquoi je suis venue. Si, vous le savez. Mais vous ne voulez pas l'accepter. Vous êtes ici à cause de l'amour qu'un jour vous avez ressenti pour elle. La vérité, c'est que j'ai trouvé dans la chambre d'Elisa une photographie de sa mère et... Vous vous êtes rendu compte que vous ne l'avez pas effacée de votre cœur, Monsieur Augusto. Après sa trahison, je me suis trouvé comme un mort vivant et le cœur complètement malade et sec. Mais quelque chose est en train de changer dans ce cœur, n'est-ce pas ? Je commence à ressentir, à désirer, à aimer. Et je ne devrais pas me sentir coupable. C'est comme si à présent j'étais en train de la trahir. Elle, qui a pourtant été la pire des femmes. Non, Monsieur Augusto. Mais ce qui me met le plus en colère, c'est d'avoir l'absolue certitude que jamais je n'aimerai à nouveau une femme comme je l'ai aimée, elle. Stefania ne mérite pas tout cet amour. Mesurez vos paroles. Il ne faudrait pas qu'un jour vous regrettiez d'avoir dit ça. Si seulement je pouvais lui pardonner, mais ça m'est impossible. Si ça vous paraît impossible, essayez d'imaginer le jour où vous devrez vous pardonner à vous-même. Parce que ce jour-là arrivera, Monsieur Augusto. Et vous, Madame Alfonsina, et le village tout entier, vous saurez que vous avez très mal agi en jugeant Madame Stefania de cette manière si cruelle. Je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez à la défendre. Vous pouvez me traiter de folle, mais je vous assure que la prochaine fois que je vous trouverai ici dans ce cimetière, vous serez agenouillée sur la tombe de votre défunte épouse, demandant pardon. Que je les arrête. Bonjour, Maru. Oh, comment ça va, Monsieur Lucio ? Je ne vous avais pas vu entrer. Est-ce que Damien est là ? Oui. Oui, je vais le prévenir que vous êtes ici. Damien ? Monsieur Lucio vient d'arriver et il veut vous parler. D'accord. Entrez, je vous en prie. D'accord, merci, Maru. Monsieur Lucio. Bonjour, Damien. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Je suis venu te rendre visite. Ça me fait plaisir. Comment va cette jambe ? Ça va beaucoup mieux, merci. C'est très bien. Allez-y, asseyez-vous, je vous en prie. Tu sais, figure-toi que je suis venu te parler au sujet du contrat d'Elisa. Je l'ai examiné de très près et je suis parvenu à la conclusion que ce projet mérite d'être réalisé. Ne vous inquiétez pas car les travaux ont déjà repris. Et vous pouvez être sûr que ce contrat ira à son terme.
J'en ai même parlé avec Aliza il y a un instant quand elle est venue me voir. Et est-ce que ta mère est au courant de ce que tu es en train de me dire? Oui, elle est d'accord. Bon sang. Et qu'est-ce qui a bien pu la faire changer d'avis? Je suppose qu'elle s'est rendue compte que si Aliza produisait ses propres terres, alors elle pourrait lui rembourser l'argent qu'elle lui a prêté pour la caution de son père. Oh, ben, moi, je trouve ça quand même bien bizarre parce que ça n'a aucune logique, Damien. Pourquoi ça? Ben, si les choses sont vraiment comme tu le dis, alors tu vois, je ne comprends pas du tout ce qu'au final, ta mère va gagner dans tout ça. Et l'affaire se résumerait à un simple prêt, et voilà tout, rien de plus. Et qu'est-ce que vous supposez dans ce cas? Je ne sais pas, mais bon... J'ai l'impression qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. Je suis certain que ta mère a prêté cet argent à Aliza en échange de... En échange d'autre chose. Comme quoi? Je ne sais pas. Mais Aliza ne t'a rien dit à toi? Elle et moi, on s'est à peine parlé. Mais je suis surpris que vous ne sachiez pas qu'on est séparés. C'est pas vrai! Mais pourquoi? Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux pas me faire ça!